Et coucou tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Strangerville, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au recrutement, les amis, de notre équipe pour l'affrontement final. Donc on a lui, et en fait on n'est pas obligé de monter une certaine relation pour les recruter, il faut juste qu'on les vaccine. Bon, moi j'ai pris ceux que j'ai vaccinés. Donc on va recruter de ce pas. Alors je vais parler tout bas au passage. Descendre là-dedans avec vous. Que savez-vous des techniques pour combattre des plantes du genre des vins? On se connaît à peine. Ah merde. D'accord. Donc, j'ai rien dit. On va devoir monter les relations. Donc on va faire ça Sims par Sims. Hein. On va voir ce que ça donne. Ça, il est parti. Viens là, viens lui parler. Donc je parle tout bas, comme je vous le dis. Il y a ma fille qui dort. Et du coup, je voudrais pas la réveiller, mais j'ai plutôt enregistré. C'est un peu con. On va essayer de faire. On va discuter et. Il était où? Il y avait faire connaissance. Il a disparu. Alors, complimenter sincèrement. On va rediscuter des centres d'intérêt. C'est bon, on peut commencer à recruter. Bien sûr, je vais vous aider à détruire la plante mère. Je ferai tout pour débarrasser Strangerville de cette ignoble infection. Ok. Suivant. Il me semble que lui, on l'avait fait. Lui. Il est dans le coin. Il doit être dans le coin. Ah, il est toujours en zombie. Elle est où, elle? Elle doit être chez moi. Alors, attendez. Elle est en haut. On peut la recruter, donc je vais la complimenter. On va essayer de monter la relation. On va essayer de recruter, là, pour la planète. Je vous connais à peine. Ok. Donc, raconter une blague. Discuter des saveurs de la nourriture. Se renseigner sur la carrière. Ouais, on va faire des petits trucs comme ça, sympatoche. On va rediscuter des centres d'intérêt. Reviens. Non, reviens. Oh, on peut la recruter en plus. On bat les steaks, on la recrute. Yes, on en a deux. Par contre, je ne sais plus si c'est elle qu'on avait fait ou pas. On va attendre. Alors déjà je vais enregistrer parce qu'en fait voilà, j'ai pas envie que ça qu'on ait un pépin. C'est bon, tu peux la lâcher, elle. Et donc elle vient, elle, ou pas? Elle est là. Attendez, hop. Je sais plus si c'est elle qu'on a sauvée. Ah, ça doit être elle alors. Putain, j'espère que c'est elle. Oui, c'est elle. Je vous connais à peine. D'accord. C'était bien elle, donc ça va.
se renseigner sur la carrière, discuter des centres d'intérêt, complimenter. Et bien la complimenter là. Elle est où? Elle est là. On va la complimenter. Pff, ça a disparu. En fait, c'est ça qui me saoule dans les Sims, c'est que les trucs ils se barrent à chaque fois. Et alors, là, va. Eh, j'ai un petit pépin avec mes touches. Je peux plus accélérer. Ça me... Pourquoi ça marche pas? Je crois que là c'est bon. On peut. Non, même pas. On va refaire connaissance. On va partager des photos. Amical complimenté. Ah, j'ai peut-être besoin d'aller aux toilettes en fait. Bien sûr que je vais vous aider. Ok. Vaincre la source de l'infection. C'est la dernière étape pour éliminer l'infection. Cela ne sera pas facile. Oh, ça va être chaud, les amis. On va bien se préparer. Je sais pas comment on va faire, mais... Ça va être super short, à mon avis. Ça va même être pire que ça. On va enlever la végétation. Putain, même dans la baignoire, quoi. Ça a pollué. Ça a pollué, les amis. Donc, elle a faim. Des céréales. Je crois que je vais pas tarder à être possédé par la plante. C'est vrai qu'on s'est pas injecté le produit. Hein. Ça me fait peur. De toute façon, on va dormir, on va attendre demain matin pour aller combattre. Mais je sais pas ce qu'il va falloir. Il va peut-être y avoir des morts. Il va peut-être y avoir des morts, les amis. Voilà. Donc, je me suis fait posséder par une des plantes. Maintenant, moi, ce que je veux faire, parce que là, il est 4h du matin. Quoique, je vais voir si je peux pas scanner ici, tiens. On va scanner ici, au cas où, c'est bon, mes touches refonctionnent. Et comme ça, je vais choper des spores. Et vous allez me dire, pourquoi tu vas faire ça? Bah, pour la simple raison que je vais... récolter des fruits bizarres et je vais commencer à faire un stock de vaccins au cas où. Peut-être qu'il faut lui jeter le vaccin dans la gueule. Ça n'a pas marché ici. On va garder les scans pour là-bas. Ok. On va rentrer en attendant. Si, peut-être qu'il en faut 3. Donc, on va voir. La fête des récoltes. C'est ici que ça va se terminer, les amis, dans la fête des récoltes. Voilà, comme ça, on va avoir des fruits bizarres. On va attendre un petit peu. Elle fait ses devoirs près d'une plante. On va attendre qu'il y ait bien l'heure pour que les Sims se réveillent. Donc je vais faire encore une petite sauvegarde. Oh, je pense que ça devrait être bon. On va se déplacer. Donc on va aller là-bas. Je pense que c'est au laboratoire. Hein. On confirme. Donc je prends elle et lui. Par contre, j'ai pas de combinaison pour eux. D'ailleurs, portez la combinaison et utilisez la carte. Ça va être chelou là, je les contrôle pas, hein, les bonhommes. Utilisez la carte.
Et c'est ici. Utiliser la carte. Donc on va essayer de vaincre cette vermine. Combattre la plante. Ah, on doit se guérir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est que j'ai été contaminé, les amis. Et du coup, ça me porte préjudice sur le moment. Ok, tac, 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 tac. Donc là, il y a une machine. Alors ça, c'est parfait. On fait le vaccin. Alors, je sais pas comment on va se le mettre. Peut-être qu'il faut que je le prenne comme ça, attendez. C'est où? Même avec plante. Scanner. Alors, elle est encore dessus. Voir le vaccin. Ah voilà. Ok, nickel. Et maintenant, serait que nickel qu'il y ait une cinématique. Allez, on combat. Ah, j'en ai oublié une. Attention, les amis. Ah, la plante garnelle, elle se gonfle. Tout le monde se met en position. C'est qui elle là-bas? Meredith Rosewell. Qu'est-ce qu'elle va foutre ici? Oh putain. Oh, excellent, regardez ça. On dirait qu'elle invite du monde. Ils font quoi les zombies? J'aurais peut-être dû réveiller toute la ville en fait, tous les vacciner. C'est quoi ça? C'est sa vie là-haut? Sur la plante mort. Niveau d'infection de l'équipe. Oh merde. Merde. Si c'est sa vie là-haut, on n'est pas dans la merde. Ça va se jouer un poil de cul, je crois. Oui, on l'a eu. Les amis, on l'a eu. On peut la ressusciter. Héroïne de Strangerville. Bon, on a tout fait. Récompense gagnée, félicitations, l'ignoble tyrannie de la mer a été punie. Vous avez reçu un échantillon de la mer exposé chez vous en guise de récompense de votre victoire héroïque. D'accord. J'enregistre. Parce que là, ça fait quoi si on la ressuscite en fait? Est-ce qu'on peut la contrôler?
demande de être ensuite. Demander de l'étrangeté, demander. Après beaucoup de planification et d'enquête et peut-être un peu de combat peu conventionnel, Céline a libéré Sandurville des griffes de la plante mère. Sandurville peut désormais dormir sous ses oreilles. D'accord, bah voilà, on a réussi. Donc en fait là, je peux tenter de communiquer. Alors attendez. On peut devenir ami avec la plante. Voyez? Et là, elle est plus apaisée. D'accord. Écoutez, on va rentrer chez soi, on verra. Je vais voir ce que ça fait dehors. Donc, on l'a battu. Donc, maintenant, en fait, je l'ai ressuscité pour voir si, en fait, on avait. Ouais, regardez. Il n'y a plus rien. Tout est redevenu calme. Strangerville, un peu moins étrange. Dans un air d'écrissement, la porte mère s'effondre en rentrant. En rentrant, vous remarquez que les choses commencent à redevenir normales. Les plantes bizarres disparaissent et les infectés se réveillent de leur cauchemar. Strangerville vous doit beaucoup. Vous avez sauvé la ville. Vous avez vaincu la plante mère et remis Strangerville dans son état normal. Vous pouvez retourner vers la plante mère à tout moment pour la réveiller à nouveau. Une fois ressuscité, vous pourrez l'utiliser pour répandre une infection du niveau de votre choix selon le degré de l'étrangeté que vous souhaitez obtenir. Cela vous permettra de rejouer l'histoire avec d'autres familles. D'accord, ça c'est classe. Ça c'est classe, voilà, tout y est redevenu normal. Les amis, nous venons de finir le DLC Strangerville et non Things, ça c'est la série. Alors c'est un DLC que j'ai aimé et que j'ai à la fois trouvé pas mal de défauts, on va dire, dans le sens où je m'attendais, enfin j'aurais plus vu une espèce de spin-off à la Sims de PSP, vous savez, avec le contrôle en 3D et tout. Et pas ça, et avec des cinématiques, un truc mieux ficelé, je pense que ça aurait pu le faire. En fait, ils ont gâché, je trouve, le potentiel du DLC. Il est bien, attention, je dis pas le contraire, mais pour moi, ça pouvait être largement, largement au-dessus de ce qu'ils viennent de présenter, surtout pour 20 boules. Mais après, c'était sympa à faire, mais pas pour 20 euros. Je vous le conseille sur Instant Gaming à 12 euros. Parce que, voilà, 20 euros... Ça fait mal au cul. Alors en tout cas, merci d'avoir suivi ce let's play, les amis. J'espère que vous avez apprécié suivre cette épopée en 8 vidéos. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures dans le monde des Sims. Et n'hésitez surtout pas à suivre les aventures, mes aventures dans d'autres jeux, évidemment. Hein, il n'y a pas que les Sims, je tiens à le rappeler. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bello, soussoul.